Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Seigneur, en ce beau matin ensoleillé le samedi, éveille-nous, réveille-nous de chacune de nos morts, donne-nous de participer au projet de vie et de résurrection de ton Père. Oui, ouvre notre bouche à la louange, à la méditation, à l'acclamation pour les merveilles de ton projet de vie sur le monde et sur chacun d'entre nous. Frères et sœurs, en cette journée, début de journée, prions et chantons avec l'Église le merveilleux psaume 8 que vous connaissez chacun et chacune d'entre vous depuis longtemps. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants et tout-petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes ceci. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, par-toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. J'espère, frères et sœurs, que vous avez pu vous prendre au jeu et chantonner, murmurer ces merveilleuses paroles que notre cœur aime bien. Oui, Seigneur Dieu, tu es grand. Quel projet tu as sur chacun et chacune d'entre nous, sur l'ensemble de l'univers, la création entière. Oui, tu veux vraiment accomplir ce projet. Tu nous aimes le premier. Tu es rempli de merveilles pour chacun d'entre nous. Tu veux nous éveiller, nous réveiller à ta vie. Tu veux nous faire grandir et nous élever avec Jésus, ton Fils, à ce projet de faire de nous tes enfants.
tes fils nous combler de ta vie. Tu nous aimes le premier, oui. Ce n'est pas le mal, ce n'est pas le péché qui est premier. C'est ton projet d'amour. Et tu veux que chacune de nos histoires, que l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité, devienne une histoire sainte, remplie de ton amour et de ta joie. Et tu as planté, Jésus, semé le Christ au cœur de nos vies. Il marche avec nous, vivant, ressuscité, sur nos chemins humains. Il nous ressuscite avec lui, à une vie sans cesse nouvelle, à sa vie, la tienne, celle que son Esprit, l'Esprit Saint, met en nous. Frères et sœurs, voilà bien ce que saint Paul a annoncé, proclamé dans son homélie, ce jour-là dans la synagogue d'Antioche de Pisidie. Et voilà maintenant, en cette lecture du samedi, toujours au chapitre 13 des Actes des Apôtres, versets 44 à 52. Voilà les fruits merveilleux que cette parole, cette bonne nouvelle a produit dans toute cette ville. Presque toute la ville se rassembla le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie. Presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Mais quand les Juifs virent la foule, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : c'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu, puisque vous la rejetez, et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient appelés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité, adorant Dieu, et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsaient de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de la joie et de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, voilà donc que la parole de Dieu provoque des fruits admirables dans le cœur de beaucoup de gens, dans cette première ville de Turquie, d'Asie mineure, où la parole de Dieu a été annoncée. Et 8 jours après la prédication de Paul et de Barnabé, eh bien, voilà, presque toute la ville se rassemble, pressée, d'écouter, d'entendre à nouveau la proclamation de cette parole. Et ils venaient parce qu'ils étaient, comme dit la parole, remplis de joie et d'Esprit Saint. La bonne nouvelle accueillie dans un cœur sincère, voilà ce qu'elle produit, joie et Esprit Saint. La bonne nouvelle, eh bien que Dieu aime le monde, a un projet de vie pour chaque être humain, depuis toujours, et qu'il l'a réalisé, pleinement réalisé pour toujours, en Jésus, le Christ. Oui, lui, totalement fidèle au projet de Dieu, ne cédant à aucune violence, a remporté la victoire sur chacune de nos morts, sur chacun de nos péchés. Il est entré dans la vie et nous entraîne dans cette vie
et nous remplit de son esprit de vie. Les apôtres, ils proclamaient cette nouvelle, ils l'avaient sur le visage, ils avaient cette foi et cette vision de la victoire de la vie sur la mort, ils la portaient sur eux, et une foule enthousiaste, remplie d'Esprit Saint, est venue les écouter à nouveau. Mais il y a des esprits chagrins, il y en a que ça dérange. Peut-être que ça nous dérange aussi quelque part, frères et sœurs, car notre cœur n'est jamais complètement à niveau avec la parole qui nous est annoncée, avec cette bonne nouvelle. Quelque chose résiste en nous. La première parole de Jésus, quand il est paru en Galilée, était « Convertissez-vous ». Oui, la parole nous appelle à un changement de vie, elle nous appelle à un changement de mentalité, elle nous appelle à un combat contre les forces de mort qui résistent en nous et qui résisteront toujours en nous jusqu'à notre mort. Car la capacité de nous replier sur notre avoir, notre pouvoir, nous fera toujours dire que, aïe aïe aïe, la vie à laquelle nous sommes appelés par la parole du Christ, elle est difficile. Eh oui, elle est difficile. Et vous voyez, c'est symptomatique. Ce que le texte appelle les Juifs arrivèrent très facilement à monter contre la parole, à monter contre Paul et Barnabé, qui donc les femmes de qualité. Oui, les femmes de qualité, c'est-à-dire celles qui étaient de la bonne société et qui, à l'écoute de la parole, sentaient bien qu'il fallait un petit peu se convertir. Mais pas seulement les femmes de qualité. Il y avait aussi les notables de la cité, ceux qui, de façon ou d'une autre, participaient au pouvoir et aux honneurs. La parole est un appel à la conversion, changement de mentalité, pour que tous puissent devenir non pas des dominants et des dominés, non pas des maîtres et des esclaves, non pas des riches et des pauvres, mais des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Combat spirituel, appel à la conversion. Frères et sœurs, présentons notre temps, notre communauté, nos églises, nos villages, nos communautés humaines, au Seigneur. Oui, tous nous sommes heureux d'accueillir la bonne nouvelle, mais quelque part elle résiste aussi en nous. Nous peinons à nous convertir, nous peinons à changer de mentalité, et pourtant nous voyons combien c'est nécessaire en ce temps de crise sanitaire, en ce crise de temps de crise du monde. Nous savons qu'il nous faut nous convertir, changer de mentalité, mais que c'est difficile. Nous voyons aussi toutes les calamités et les détresses que produisent dans le monde et dans l'Église notre péché, le mal au fond de nous, tapis au fond de nous, quand nous n'entrons pas vraiment dans la conversion vers la vie, quand nous n'entrons pas vraiment dans l'appel que l'Esprit du Seigneur met en nous. Oui, confessons notre péché, notre mal, et demandons au Seigneur de mettre en nous toute la puissance de sa résurrection. Faisons-le avec la pleine conscience que chacun de nous, l'Église, nos communautés, nos paroisses, mais le monde entier y aspire, il y en a besoin. Invoquons Jésus ressuscité, qui sans cesse, lui le premier,
intercède pour nous. Pasteur éternel, sauve-nous. Seigneur Jésus, ton peuple s'éveille à un jour nouveau. Nourris-le de ta parole et de ton pain. Ne permets pas que nous soyons victimes du loup qui dévore et du mercenaire qui s'enfuit. Apprends-nous à reconnaître ta foi. Fais-nous rejeter la tristesse du mal et du péché. Sois toi-même la joie que nul ne pourra nous ravir. Rends-nous attentifs aux appels de nos frères et sœurs et donne-nous ta paix. Donne ta paix à ceux que nulle présence aujourd'hui ne console. Nous joignons à ces prières, Seigneur, celles qui sont au fond de nos cœurs, celles que les frères et sœurs nous ont confiées, et nous les joignons à la tienne. Notre paix, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous sommes une journée de samedi, avant un dimanche et après un jour férié. Nous allons tous, la plupart d'entre nous, nous précipiter sur les chemins de nos villages, de nos villes, dans nos voitures peut-être, parce que nous avons des courses à faire. C'est bien. Ça fait partie du programme de déconfinement, mais de grâce, mettons en œuvre tous les gestes barrières, toutes les précautions, et surtout, ne le faisons pas sans masque. Je vous souhaite une merveilleuse journée, et ce soir, à 18h, ici à l'église, nous célébrerons en direct la messe anticipée du 5e dimanche de Pâques. Bonne journée.